après le match d'avant-hier. Comme vous l'avez vu, il y a Kofi qui est sorti donc, sur une blessure qu'on n'avait pas pu évaluer au début. Alors actuellement, c'est une entorse légère de la cheville et cette blessure, elle se remet vraiment beaucoup. Il se remet beaucoup mieux et nous ne pouvons pas garantir à 100% son état, mais nous allons continuer donc l'évaluation jusqu'à la veille du match et également les soins et tous les examens complémentaires nécessaires. L'autre incertitude, c'est Bertrand Traoré qui n'est pas venu avec nous. Voilà, mais là c'est pour une raison qu'on connaissait avant. Donc il doit repartir pour subir des soins et des examens approfondis à Birmingham. Et en fait, il a vraiment, disons qu'il a forcé pour venir pour pouvoir participer au premier match. Mais déjà, avant le premier match, on savait qu'il ne serait pas disponible pour le deuxième match. Et hier, il a eu un long entretien avec son médecin traitant. Et donc, il est reparti à partir d'Abidjan. Mandé, qui a également un choc direct à la cheville également. Il faut dire que le match était vraiment engagé sur une pelouse qui n'était pas... dont l'état était un peu difficile quand même. Donc, il y a eu beaucoup de chocs. Voilà. Mais Hassan Bandé également, nous avons pu prodiguer donc, les soins de façon intensive avec les kinés. Et actuellement, donc, il récupère très, très bien. Et bon, demain, on fera le premier entraînement. Et donc, déjà, en fonction de ça, nous pourrons donc mieux évaluer. Voilà, et savoir donc qui sera disponible.